semaine. Puis, je me demandais si j'auditionnerais à la voix. Penses-tu que ça marcherait? Nos classes gays, je te l'ai dit, puis je te l'ai redit, puis je te l'ai redit. Il n'y a pas d'argent à faire de la musique. Si tu veux faire du cash, c'est dans CAW. Trust moi dessus. Anyway, faut bien dormir. Parce que là, le petit fatigant, dans son vidéo, ce qu'il riait de moi, là, il a dit quelque chose qui m'a comme. M'a comme échappé, là, que Norbert m'a caché. I guess que le petit maudit, là, il y a un contrat pour la belt qui peut cacher n'importe quand, n'importe où, en 2019. Oh, j'étais pas au courant de ça. Non. Je vais appeler Norbert. Moi, là, je veux savoir le fond de l'histoire de ça. Là. Ça n'a comme pas. Ça n'a pas de. Ça a pas de sens. Une minute. Ouais, Norbert. No Class Jack. Hey, petit manger de McDonald's, là. Je sais pas son nom, là, mais le petit fatigant là, qui fait des vidéos en bédaine. C'est-tu moi qui me figure? Il y a un contrat qui peut cacher n'importe où, n'importe quand, en 2019. C'est ça que c'est, hein? Ben, pourquoi est-ce qu'il y a ce contrat-là dans les mains? Tu me dis? Parce qu'il a gagné ça. Quoi? Pourquoi ça t'a signé ça? Ben là, je sais qu'il a gagné Fair and Square, mais même à ça, t'aurais pu le desquarer de toute manière. Bon, ok. Ben là, je parlais avec nos classes Guy. Je pense que j'ai peut-être une maudite bonne idée. Là. Ric Flair. Wow. Tu veux dire, il y a 70 ans? Tu veux dire, la CAW ne peut pas l'afforder? Ok. C'est toi et chacun sur le roster de l'affronter. Ok, ben. La prochaine fois que tu fais des décisions même, laisse-moi donc savoir. Ok, ben. On se verra pas en France.